Bonjour et bienvenue sur Vital Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et on va répondre à la question que vous m'avez le plus demandé dans tous mes commentaires de toutes mes vidéos décryptage. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous dire quelle est la marque de croquettes que je recommande. Alors ma marque de croquettes préférée, celle que je vais vous recommander, eh bien c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une marque de croquettes que je vais vous recommander et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va aborder plusieurs points. Déjà, pourquoi je ne recommande pas les croquettes de façon générale. Ensuite, pourquoi on ne peut pas faire une recommandation de croquettes ou de pâté. Parce que si je ne recommande pas les croquettes, vous allez me demander ensuite quelle est la marque de pâté que je recommande. Et pareil, il n'y a pas une marque en particulier que je peux vous recommander et je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, on va parler des fameux classements de croquettes et de pâtés et pourquoi en fait ce concept n'a pas de sens. Alors le premier point, ça va être un petit rappel assez rapide sur pourquoi les chats ne doivent pas manger exclusivement des croquettes et pourquoi ils doivent avoir une alimentation humide en priorité, si possible leur donner une alimentation 100% humide à base de pâté complète. Tout simplement parce que le chat est un petit buveur et que les croquettes est une alimentation sèche. Le chat domestique vient du chat sauvage africain qui dans la nature boit très peu d'eau et obtient toute son hydratation à partir des proies. Un chat qui consomme une alimentation qui a plus de 70% d'humidité n'a pas besoin de boire de l'eau en plus pour remplir son besoin en eau. Et donc un chat qui a une alimentation sèche comme des croquettes qui ont seulement 10% d'humidité par rapport à de la pâtée qui est aux alentours de 70-75%, il va avoir besoin de boire de l'eau pour compenser, pour avoir son apport en eau. Sauf que plusieurs études ont montré que le chat est un petit buveur. Même s'il boit beaucoup plus lorsqu'il mange des croquettes, presque 6 fois plus que s'il mangeait de la pâtée, il va tout de même pas boire assez, c'est-à-dire que son apport en eau restera plus faible que son apport en eau s'il avait une alimentation humide. Ça pourrait ne pas être un problème, on pourrait penser bah c'est juste que quand l'alimentation est humide, il a un apport en eau en excès, sauf qu'il se trouve qu'il y a de nombreuses études qui montrent qu'une alimentation sèche est associée à des problèmes urinaires. C'est pour ça que je recommande pas les croquettes, c'est pas adapté aux besoins des chats, ça ne répond pas à leurs besoins en hydratation, l'eau étant un nutriment essentiel pour la vie. Si vous ne pouvez pas donner uniquement de la pâtée complète, essayez de donner le plus de pâtée complète qu'il est possible pour vous dans votre budget, parce que ben, je suis bien consciente que une alimentation humide c'est bien plus cher que des croquettes, mais vraiment faites de votre mieux. Donc ça c'est déjà la raison number one pour laquelle je ne peux pas vous recommander des croquettes, puisque ça ne répond pas aux besoins nutritionnels du chat. Vous allez souvent me dire quelles sont dans ce cas là les croquettes les moins pires ou quelle est la meilleure pâtée. On va arriver au deuxième point de cette vidéo qui est pourquoi on ne peut pas faire une recommandation générale pour tous les chats. Les aliments industriels, les croquettes et les pâtés, c'est une espèce de prêt-à-porter pour l'alimentation. On a des gammes qui vont correspondre à plusieurs animaux. Mais aucune de ces croquettes ou de ces pâtés ne peut être individualisée aux besoins spécifiques de votre chat, puisque c'est des aliments industriels qui doivent répondre aux besoins du plus grand nombre de chats. Alors il y a tout de même des gammes spécifiques. Il va y avoir des croquettes chats stérilisés âgés, des pâtés chats stérilisés chatons, etc. Et ce qui fait que je ne peux pas faire vos recommandations générales, puisque je ne connais pas votre chat. Quand je fais des vidéos, je les fais pour le plus grand nombre. Je ne peux donc pas savoir qu'est-ce qui va être le plus adapté pour le cas particulier de votre chat. Quel âge il a votre chat? Quel niveau d'activité il a? Est-ce qu'il vit en intérieur? Est-ce qu'il vit en extérieur? Est-ce que c'est une race spécifique qui a des besoins spécifiques, comme par exemple un sphinx qui a un besoin d'énergie plus élevé? Bref, il y a plein de critères différents que je ne connais pas lorsque je fais une vidéo. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vais vous donner des conseils qui sont généraux. Je vais essayer de vous expliquer comment décrypter une étiquette, comment comprendre le marketing, etc. pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre chat. Votre chat étant un individu avec des besoins spécifiques. Moi, je ne connais pas votre chat. Je ne peux donc pas vous donner des conseils en commentaire. Et moi, en tant que nutritionniste, lorsque je formule des recettes pour mes clients, je prends en compte tous ces critères. Et c'est pour ça que je peux leur formuler des recettes, parce que ce sont mes clients. Je connais leur cas spécifique et je peux donc formuler une alimentation qui est adaptée et spécifique à leurs besoins. En vidéo, il m'est impossible de vous donner des recommandations précises, de vous dire « Ah, et ben, il faut absolument que vous donniez cette croquette, cette référence dans cette marque-là. » Il va y avoir des compromis à faire. Aucune marque ne va jamais être parfaite. On reste sur un aliment industriel et le compromis qu'il va falloir faire va dépendre de l'animal. Donc, en fonction des cas,
une marque A qui est très bien n'ira peut-être pas à votre animal et une marque B sera mieux. Il n'y a pas vraiment de recommandations générales qui sont possibles qui iraient à tous les chats. Et c'est pour ça que vous ne voyez jamais de vétérinaire nutritionniste vous dire « Ah bah il faut absolument que vous donnez cette marque-là en particulier. » Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une recommandation sans connaître l'animal que l'on a en face de soi. Enfin, on va aborder le sujet des classements. Lorsque je vous dis que je ne peux pas faire des recommandations, vous me dites souvent « Alors, quelles sont les marques les mieux, les moins pires ? Est-ce qu'on peut classer les marques ?» Et vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux des classements de croquettes A, B, C, D, E, des Pet Food Score, des Nutri-Score pour les croquettes, etc. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart du temps, ces classements ne sont pas fiables du tout. Alors, la première chose, c'est que souvent, ces classements se basent sur des critères qui sont assez peu fiables. Par exemple, beaucoup de ces classements vont se baser en priorité sur le taux de glucides ou le taux de protéines. Le taux de glucides, je vous ai fait une vidéo entière sur les glucides, ne sont pas forcément toxiques, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Et lorsqu'on se base sur le taux de glucides qu'on va calculer dans les croquettes, qui va aussi s'appeler l'ENA, l'extractif non azoté, en fait ce taux ne représente pas de façon assez précise l'amidon. L'amidon qui est apporté dans l'aliment. On en a parlé un peu dans la vidéo sur Croque la vie avec cette histoire d'amidon. L'extractif non azoté va représenter une partie des fibres solubles et de l'amidon. Ça ne va pas juste nous dire l'amidon. Et souvent, ce qu'on veut éviter dans des croquettes, ça va être des croquettes qui sont trop riches en amidon et non pas des croquettes qui sont trop riches en fibres. Et donc, lorsqu'on se base juste sur ce pourcentage de glucides, on a une information imprécise parce qu'il nous manque les teneurs en fibres, sauf bien sûr dans des croquettes qui nous donnent ces informations, type les croquettes vétérinaires, type Virba, qui nous donnent le pourcentage de fibres et le pourcentage d'amidon. L'autre problème de ces classements, c'est que souvent, ils vont se baser tout simplement sur un pourcentage. Par exemple, le pourcentage de protéines. Sauf que ce pourcentage, pareil, ce n'est pas une mesure qui est fiable. Si vous regardez toutes mes vidéos d'équitage, vous avez l'habitude. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le pourcentage de protéines ou de glucides, etc. par rapport à 1000 calories, pour pouvoir être en mesure de comparer deux aliments différents. Je vais vous donner un exemple avec des chiffres qui va tout de suite être plus parlant. Si on a une croquette, disons A, qui contient 40% de protéines, et qui a une énergie métabolisable, donc l'énergie dans les croquettes, de 400 calories pour 100 grammes. Et on a un aliment B, une croquette B, qui elle contient 35% de protéines, et qui a une énergie métabolisable, donc le nombre de calories dans ces croquettes, de 330 calories pour 100 grammes. Ce genre de classement, ben, ils vont vous dire, la croquette B, elle est moins bien, elle a que 35% de protéines, alors que la croquette A, elle a 40% de protéines. Mais en fait, votre chat, il mange un nombre de calories qui est fixe. Il va donc manger moins des croquettes A que des croquettes B, parce qu'il a besoin de 200 calories par jour, et que les croquettes A, elles apportent plus de calories, elles apportent 400 calories. Donc, il faut comparer ces pourcentages de protéines par rapport à 1000 calories. Et si on regarde par rapport à 1000 calories. L'aliment A va apporter 100 g de protéines pour 1000 calories, tandis que l'aliment B va apporter 106 g de protéines pour 1000 calories. C'est donc lorsque votre chat va manger l'aliment B qu'il aura le plus de protéines. En fait, en pratique, lorsque votre chat mange ses croquettes et pas juste on regarde l'étiquette, c'est l'aliment B qui va apporter le plus de protéines. On ne peut donc pas se baser sur tout simplement des pourcentages pour faire des analyses de croquettes ou de pâtés, et c'est ce que font très souvent ce genre de tableau ou de classement. Enfin, même si on calcule ce gramme de protéines pour 1000 calories, ça ne nous dit pas non plus les acides aminés, parce que ça c'est quelque chose que les marques vont très peu communiquer, et votre chat n'a pas forcément besoin de protéines en tant que telle, mais il a aussi besoin d'un profil en acides aminés spécifiques. On peut avoir une croquette qui est plus riche en protéines qu'une autre, mais qui a un moins bon profil en acides aminés, et donc le chat aura un besoin en protéines encore plus élevé, alors que l'autre alimentation qui a moins de protéines mais un meilleur profil en acides aminés, au final satisfera plus le besoin du chat. Il va y avoir d'autres critères qui sont assez arbitraires, par exemple avoir de la viande fraîche versus de la viande déshydratée, de la farine. Sauf que ça, on en a parlé dans la vidéo Edgar Cooper, c'est pas forcément mieux d'avoir de ce qu'ils appellent de la viande fraîche, parce qu'en fait c'est jamais de la vraie viande fraîche, mais c'est de la VSM, et qu'on peut avoir des farines de viande, ce qui est en fait tout simplement juste de la viande déshydratée, parce que dans tous les cas la viande elle sera déshydratée dans vos croquettes puisque c'est une alimentation sèche. Donc
avoir des farines aka de la viande déshydratée, c'est pas forcément dans tous les cas pire qu'avoir de la viande fraîche aka de la VSM, de la raclure de carcasse. Ça c'est aussi un critère qui est assez arbitraire, il faut voir plus loin que ça, il faut avoir plus de détails sur la qualité des viandes. C'est vraiment pour vous montrer que les critères qui sont utilisés dans ces classements ne sont pas fiables. On a parlé du sang céréal dans la vidéo d'origine de pourquoi ce n'est pas forcément un bon indicateur. On va plutôt s'intéresser à des choses comme le taux de phosphore ou le ratio protéines-phosphore qui nous donne des informations sur la qualité des protéines, etc. C'est complexe et il manque énormément en fait d'informations sur les étiquettes pour être capable de faire un classement en se basant tout simplement sur une étiquette. C'est pour ça que lorsque je vous fais des décryptages, j'appelle ça des décryptages marketing parce que je me base en fait sur l'entièreté du site pour savoir si la marque est fiable et donc si l'étiquette est fiable. Parce qu'au final, la fiabilité de la marque, dans quelle mesure on peut croire et faire confiance à cette marque, c'est presque plus important que ce qu'il y a sur l'étiquette. Les études l'ont montré, souvent les étiquettes sont peu fiables, il y a des mensonges. Lorsqu'on analyse les croquettes, ce n'est pas en réalité ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. C'est pour ça qu'il faut surtout se fier à une marque qui est formulée par des vétérinaires, par des nutritionnistes, par des personnes qui savent ce qu'ils font, et non pas simplement des marques qui vont revendre notre produit. Et on veut aussi avoir des marques que l'on peut contacter, qui vont nous répondre, qui vont nous donner des informations supplémentaires par rapport à leurs aliments. Quelle est la digestibilité, qui va nous donner une information sur la qualité par exemple des protéines, des matières grasses. On veut avoir des marques qui ne vont pas essayer de tricher en mettant des marketing mensongers, en disant par exemple qu'ils ont de la viande alors que c'est de la viande séparée mécaniquement. Une marque qui a sa propre usine, qui sait ce qu'elle fait, qui fait des tests pour vérifier que ces aliments ne sont pas dangereux pour la santé. Bref, tout ça c'est des informations qu'on ne voit pas sur l'étiquette, que l'on sait lorsque on fait une analyse approfondie de la marque, lorsqu'on contacte la marque pour avoir des informations spécifiques. Se baser sur l'étiquette pour faire un classement, c'est vraiment pas fiable du tout. Ce que j'essaye de faire à travers mes différentes vidéos décryptage, c'est justement vous apprendre à voir à travers ce marketing, à comprendre comment on peut faire confiance à une marque. Dans chacune de mes vidéos décryptage, mon but c'est vraiment de vous donner des clés pour vous rendre indépendant et vous apprendre à mieux choisir. Et aucun nutritionniste qui est fiable ne pourra vous dire « Ah, bah il faut absolument dans tous les cas que vous donniez cette référence de la marque A. » Ce n'est pas possible. Si une personne vous dit ça, fuyez, partez en courant. Ce n'est pas quelqu'un qui est formé correctement en nutrition dans ce cas-là. Et d'ailleurs, tous les tableaux de classement de pet food, de Nutri-Score, etc., vous remarquerez qu'ils ne sont jamais faits par des personnes qui ont une formation en nutrition. Faites bien attention auprès de qui vous prenez des conseils. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux donnent des conseils sans être formées en nutrition animale. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous recommander une marque en particulier et pourquoi il faudra toujours privilégier les pâtés pour vos chats, et enfin pourquoi il ne faut absolument pas se fier aux classements sur les réseaux sociaux, ils ne sont vraiment pas fiables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on continuera dans le futur à faire d'autres décryptages dans lesquels je vous donnerai d'autres clés pour bien choisir une alimentation pour vos animaux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça m'aiderait beaucoup. Si vous avez une question, laissez-moi un commentaire et ne me demandez pas quelle marque de croquettes il faut que vous donniez à votre chat. Et on se retrouve très rapidement sur Vital Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt !